Bonjour à tous, on vous retrouve avec un grand plaisir pour un nouveau numéro de Green White Checker, notre talk vidéo consacré à l'actu du sport automobile international, saison 2, épisode 10, Laurent Frédéric Bollet du podcast lap J'ose espérer que vous connaissez maintenant les participants habituels de cette émission, et mon fidèle ami Maxime Potard, alias Maxou le pilote et sa chaîne YouTube qui est très connu. Salut Maxime. Salut LFB, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce dixième épisode de la saison et le premier véritable euh, où le contenu sera dédié en première partie à la Formule 1 concrètement, puisque ça y est, on a eu les essais hivernaux et deux grands prix. Donc on va attaquer dans le vif du sujet avec la F1. Euh, très content de te retrouver. On se voit un peu moins souvent, mais on a donc d'autant plus de choses à se dire et de débats à tenir ensemble. On espère que vous les appréciez toujours autant. Voilà, Formule 1 au menu, puis Indica, parce que la saison a bien commencé aussi de, de ce côté-là de l'Atlantique. Et on terminera par des évocations du WEC qui a commencé à s'ébranler et du SuperCars dont le deuxième meeting s'est déroulé en Tasmanie. Mon cher Maxime, tu sais aussi bien que moi qu'au-delà de nos Activités propres, donc l'afterlap pour moi. Maxoul pilote la chaîne YouTube pour toi. Bah nous sommes repris dans le cadre de cette émission sur les télévisions connectées Samsung, sur les portables Huawei et sur la chaîne de télévision Motor Racing TV que l'on salue, que l'on cite avec grand plaisir et en les remerciant bien évidemment de nous accueillir et de nous permettre donc et de vous permettre de nous suivre dans le cadre de ces échanges bah qui sont toujours source de, de franchise, d'honnêteté, de discours parfois Enfin, on n'est pas forcément d'accord. Et peut-être que d'ailleurs, ça va commencer tout de suite avec <laughs> quelques questionnements sur l'Arabie Saoudite, si tu me vois venir. Donc je te propose sans tarder de brandir notre drapeau vert. Voilà, Green White Shaker, euh, le drapeau vert qui symbolise la première partie de l'émission, toujours spéciale et fin, et d'autant plus que ça y est, la saison a bien démarré avec les deux premiers grands Prix, Bahreïn et Arabie Saoudite. Et honnêtement, mon cher Maxime, j'avais posé la même question en consultant dans l'Afterlap euh, Tristan Gaumandi. C'est vrai que si on nous avait dit il y a encore trois mois au sortir d'Abu Dhabi que les Mercedes seraient pas bien, que les Ferrari domineraient, euh, que Kevin Magnussen serait de retour et ferait feu de tout bout que Bottas exploserait aussi euh, et puis que je dois oublier encore deux trois ouais, trucs bon, oui, c'est euh, qu'on l'aurait pas cru <laughs> c'est quand même un scénario assez improbable on a l'impression d'avoir fait un retour vers le futur en 2019-2020 euh, oui début de saison absolument fou des essais hivernaux tenus avec euh, des espoirs de McLaren d'un moteur Mercedes et euh, Ferrari qui surprend mais ça arrive quasiment tous les ans et après on se rend compte au premier Grand Prix que non bah, cette fois-ci oui et je pense que ce sont eux les premiers surpris alors avant de rentrer peut-être dans, dans, dans les deux Grands Prix, moi à la sortie des essais hivernaux, j'avais énormément d'espoir vis-à-vis donc de Ferrari, de McLaren et oui. globalement de la réglementation 2022 qu'on découvrait et qui euh, nous a fait découvrir euh, d'autres aspects de l'aérodynamique, notamment le fameux marsuinage, hein, le talonnage que l'on connaît, euh, maintenant un mot qui n'était pas forcément très... Euh, Très, très parlant pour oui, nous alors... les jeunes, mais tu as peut-être connu ça à l'époque des, 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 de l'aspiration et des jupes, ça, ça existait déjà dans les années 60. Euh, oui. Bah oui, non mais attends, juste pour te dire que euh, les, toutes les appellations sont possibles, parce que euh, on peut dire aussi les rebonds. Euh, en, en tout cas, sur le canal oui. ils le disent pas mal. Et puis euh, Tristan, lui, il me disait que lui, il disait spontanément le pompage. Alors tu vois, euh, le pompage. Comme quoi, euh, ah, oui, pourquoi pas exactement. donc euh... <laughs> Tous les, tous les mots sont… Mais c'est vrai qu'en anglais, eux, ils n'ont qu'un mot, c'est le « port poisoning », c'est ça ?« Port là, poisoning », oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon. Et, euh, et finalement, bah, c'est l'effet du Venturi, donc la forme de la voiture, qui, à très haute vitesse, fait, euh, fait s'aspirer l'air à plusieurs reprises. Bon, on ne va pas faire de, de technique mmh. ici, sinon on est là jusque, jusque la semaine prochaine. Mais euh, voilà, le fait que certaines équipes ont, ont été radicales dans leur choix technique, Mercedes qui euh, supprime totalement les pontons, il faut le dire, mmh. Ferrari qui nous fait un dessin… Euh, Assez, euh, assez intéressant, d'autres qui restent proches du dessin proposé initialement par le règlement, mais ça fonctionne malgré tout très bien des choix techniques un peu plus euh, osés, on parlera pas de la livrée de chez Alpine, hein, c'est pas ce qu'on veut dire, oui. mais au niveau de chez que ce soit Aston Martin ou que ce soit Alpine avec euh, euh, des, des moteurs différents, on voit qu'il n'y a pas deux voitures identiques alors qu'on avait un peu peur finalement après ah oui. euh, le, le, la présentation des voitures euh, pseudo-officielles que l'on retrouve un plateau euh, copier-coller. Euh, ça fait du bien aussi de voir que cette nouvelle ère amène ces différences et du coup ça redistribue un peu les cartes et pas bah, forcé de constater qu'après deux Grands Prix on a un scénario assez exceptionnel, on a des choses que l'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus. Bon, Vettel qui n'est pas là, qui ramène une énième fois Nico Hülkenberg, passons parce que c'est pas ce qui fait qui va changer la physionomie de la grille. Mais par contre, le moteur Ferrari, s'il est légal cette fois-ci, on se rappelle de 2019, mais non, je plaisante, mais le moteur Ferrari est véritablement, pour moi, la révélation de cette nouvelle réglementation, l'intégration et le travail de Ferrari. Et une Scuderia sereine comme cela, je pense qu'il faut remonter à bien 15 ans pour la retrouver. Et à l'époque, euh, fin Schumacher, fin Todd. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est euh, de très bon augure pour. Euh, oui. Les, non, les non, mais plusieurs choses. Effectivement, tout le monde croit, sera content, on va dire ça comme ça, Clairement. que Ferrari revienne au plus, au plus haut niveau. Et effectivement, cette équipe tellement mythique, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bien sûr, avec, avec des faits, des hauts, débats bas dans leur histoire, d'accord, mais effectivement, Ferrari qui, qui, qui peut, qui peut s'immiscer, qui va s'immiscer maintenant, c'est une certitude dans, dans cette bataille pour le titre, c'est une super nouvelle. Alors moi je te cache pas que j'ai perdu mon pari, j'étais persuadé, persuadé que Leclerc allait gagner ses deux premiers grands prix de la saison. Alors Bahreïn, je me mouillais honnêtement pas trop parce qu'on avait quand même bien senti au travers des essais hivernaux qu'ils étaient effectivement un petit peu devant et très très solides. Donc là honnêtement j'ose te dire que j'avais bien senti le coup. Mais je pensais que Leclerc allait enchaîner sur sa lancée parce qu'effectivement... Ce début de saison, c'est ce que j'ai dit à Tristan, c'est un double leader. Euh, on a enchaîné à, à une semaine d'écart, euh, on n'est pas loin. Euh, bon, voilà, c'était un peu deux grands prix en un, quoi. Bon. Et euh, ça me semblait évident qu'ils allaient continuer sur leur lancée. Or, la surprise, mais c'est aussi une excellente nouvelle. C'est qu'effectivement euh, Ferrari n'est pas non plus ultra dominateur. Ça aurait été dramatique et combien de fois on a eu ça dans l'histoire quand dès le premier Grand Prix, bah, on voyait Schumacher avec la Ferrari ou Hamilton et, et avec la Mercedes coller une seconde et demie à tout le monde. Bon bah on avait compris que ça y est y a, y a, la bataille était déjà finie. Bah là non. Et c'est vrai que Red Bull qui pourtant se prend oh, oh, oui méga <laughs> tuile sur la tête à Bahreïn, qui nous aurait dit là aussi mon cher Maxime que les deux voitures allaient abandonner. C'est plus euh... arrivé depuis très longtemps, hein. pas de Red Bull à l'arrivée, euh, oui. c'était euh, la surprise et en tant que, on peut le dire, supporter de Verstappen, maintenant vous le savez si vous suivez euh, cette émission, euh, j'ai été particulièrement inquiet quand Verstappen a commencé à avoir des soucis de fiabilité parce qu'on sait que c'est ce qui a causé pour moi déjà le retard de lutte entre Hamilton et Verstappen sous l'ancienne réglementation, c'est-à-dire que mmh. le nombre de fois où le moteur Honda a sabordé les plans de l'équipe Red Bull... Pas oublier c'est toujours un moteur Honda hein, dans le dos. Il a beau être baptisé Red Bull Powertrain. C'est quand même un moteur Honda à la base. Euh, bah, je le trouve qu'il y a quand même eu pas mal de couacs pour, pour ce premier grand prix. Et même avec euh, Tsunoda qui a passé la moitié de ses essais euh, libres encore en Arabie Saoudite dans le stand avec des, des fuites d'essence, des problèmes, des. Ce moteur me fait peur, sincèrement, et c'est mmh, peut-être là mmh. euh, le, le talon d'Achille de Red Bull. Maintenant, les deux problèmes, que ce soit au niveau de la pression d'essence qui a touché les deux voitures, et ensuite le problème de régénération qui a bloqué le... le on va pas, pas parler de pont arrière, mais l'arrière de la voiture de, de, de Pérez, euh, ben ça fait peur que ça puisse arriver à Red Bull, en fait. Allez, allez, Je ne sais pas allez, si, allez. Tu, si tu sens que c'est... En fait, j'ai l'impression que la fébrilité de Red Bull cette année est peut-être celle que Ferrari avait ces dernières années. Tu vois, ils se battent oui. avec un matériel où ils ont le potentiel, mais est-ce que ça tiendra, en fait Pas certain oui. que Red Bull... À l'arrivée de tous les grands prix, ben, on est d'accord qu'il peut y avoir une petite épée de Damoclès à ce niveau-là, d'autant oui. plus que on rappelle que 23 grands prix dans la saison, ben, forcément, ça multiplie oui. les chances d'abandon et de problèmes qui vont bien survenir un peu plus de fois que s'il y avait que 16 grands prix. Donc ça arrivera forcément, on est d'accord. Maintenant, mon cher Maxime, si le grand prix d'Arabie Saoudite, moi je suis toujours un petit peu comme ça, tu, tu, tu l'as remarqué depuis le temps qu'on fait cette émission, je, je suis assez sensible au des oui. éléments de, de destin, de hasard qui n'en est pas. Si ce Grand Prix d'Arabie Saoudite avait été un peu une sorte de prolongement de Bahreïn, avec effectivement encore des soucis chez Red Bull, euh, et une, une sorte de domination tranquille et impitoyable de, de Ferrari, là, je t'aurais dit attention, ça sent mauvais. Le fait est que la pole de Pérez, magnifique oui. d'ailleurs, très belle, le ouais. la victoire de Verstappen au final, à l'issue aussi d'une bataille fabuleuse en fin de course, on a tous vibré, je crois fait qu'ils ont tout de suite remis les pendules à l'heure. Et oui. euh, c'est quand même un signe qui, à mon avis, est, est, est très important, parce que ça veut dire qu'effectivement, la réaction a été quasi immédiate, elle a été tout de suite victorieuse, et ils n'ont finalement rien perdu. Alors, à part sur la globalité des deux premiers Grands Prix, oui, ils ont des points de retard sur Ferrari, ça c'est sûr, mais sur Mercedes, ça y est, le, le, le gap est déjà, est déjà refait, puisque Mercedes en était très bien tiré à Bahreïn avec Hamilton, qui, qui arrive à nous refaire un podium, il est quand même extraordinaire à ce niveau là C'est incroyable. Voilà. Mais... Un grand prix plus tard, et non, Hamilton est déjà derrière Verstappen au championnat. Donc, moi, le petit signe que j'y vois, bah, c'est que Red Bull, quand même, est plus que jamais favorite à sa propre succession. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'effectivement, si on avait un duel Mercedes-Red Bull et Hamilton-Verstappen l'an dernier, si cette année c'est plus Ferrari-Red Bull et Leclerc-Verstappen, on, on sera tous super contents. Hein. Mais on sera très content, et je trouve, alors là, je vais peut-être... Euh... Voilà, Être victime de ces dernières années en disant ça, je trouve que la bataille peut-être un peu naïvement est saine entre les deux garçons. Ils s'aiment pas, hein, ça on le sait. Entre Leclerc mmh. et Verstappen, ils ne s'aiment pas. On sait qu'il y a des antécédents euh, des, des catégories mmh. inférieures, mais j'ai trouvé que le fait de se saluer à l'arrivée, ça m'a rappelé un peu Rosberg et Hamilton la première année. Donc je ne sais pas si on va arriver dans une déviance aussi extrême qu'avec Hamilton, je ne pense pas, puisque changement de réglementation, de directeur de course, etc. Je pense qu'on n'a plus envie de retomber là-dedans à l'extrême et les changements apportés pendant l'hiver front Que non, mais force est de constater que moi, quand je vois Leclerc et Verstappen se battre, quel que soit le vainqueur, je trouve que c'est c'est fair, c'est légitime, c'est équitable et ça me fait plaisir en fait parce que tous les fans de sport auto sont un peu fans de Ferrari. Il faut quand même l'admettre, hein, même si c'est pas le cas euh, de manière ostentatoire. Mais voilà, je trouve que moi, j'ai vu Leclerc gagner le premier Grand Prix. J'étais fou de joie pour lui parce que bon, j'ai un peu, euh, voilà, je me suis un peu énervé avec les, les problèmes de Red Bull. Mais, mais euh, oui, pour être euh, concis et rapide. Ferrari devant fait du bien à la Formule 1 tout simplement ah oui. et on a toujours connu ça donc ça c'est un sentiment de bien-être. Voir que Mercedes n'est pas aux avant-postes fait du bien à une partie de la communauté aussi parce qu'il y a un sentiment mmh. de renouveau que voulait cette réglementation. Donc oui. Paris réussi Maintenant n'interromps pas Mercedes. Il ne faut pas dire qu'Hamilton va prendre sa retraite dans trois semaines. On a vécu deux grands prix. Ferrari a dit à l'issue des essais que le package actuel fonctionne bien et qu'ils ne veulent pas forcément le développer tout de suite pour continuer mmh. à l'apprendre et en tirer un maximum. Là où d'autres équipes commencent déjà à faire évoluer, changer les pièces, etc. Mmh. Donc Ferrari a peut-être une voiture qui pour l'instant est la meilleure. Intrinsèquement, peut-être que la Red Bull est au-dessus. Mais au niveau moteur, il y a quelque chose. As ah, en est le témoignage puisque oui, oui. Magnussen même si je Schumacher a du mal on y reviendra après mais mm. Magnussen témoigne du, du bon fonctionnement de ce moteur Ferrari de la performance possible même si là c'est un peu une Ferrari déguisée soyons honnêtes mm. euh, à, à, à pas mal de points donc oui Ferrari devant ça fait du bien oui le duel était comme tu l'as dit très agréable à suivre et à part quelques blocages de route vers Verstappen pour euh, avoir la, la ligne de DRS ce qui est pour moi tout à fait euh, réglo dans la bataille hein, tous les arguments sont bons à prendre bah, j'ai même été triste de voir que Verstappen de... venait à chuiner un petit peu à la radio Tu vois, mm -hmm. est-ce qu'on peut pas passer outre cela et vraiment se battre et, et... et voilà point, donc ça ça m'a un peu dérangé vis-à-vis -vis de Verstappen, là où Leclerc paraissait en maîtrise, Leclerc paraissait à son sujet, Sainz va gagner son premier Grand Prix avec Ferrari et ça lui fera du bien, ça on oui. peut vous le signer, je pense que tu es d'accord avec moi, oui j'allais juste non, le mieux parce parle. que oui. le pire ennemi de Ferrari pour l'instant c'est pas Verstappen, c'est pas Perez, c'est pas Russell, c'est Ferrari. -dire mmh. Il faut absolument pas qu'ils retombent dans leur travers de ces dernières années où, à l'image de Leclerc Vettel euh, en 2019, ça finisse par euh, une catastrophe monumentale. Donc mmh. ça c'est à Binotto maintenant de montrer qu'il est apte à diriger une équipe avec deux pilotes capable d'être champion du monde et une voiture et une équipe capable d'être championne. Et on le voit aussi aux arrêts au stand, je suis désolé, il n'y a pas eu un quack chez Ferrari depuis le début de la mmh. saison. Donc mmh. c'est bien la preuve que quand tout va bien, quand tout euh, se goupille parfaitement, il y a une spirale positive chez, 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 chez ah ces ben gars-là oui. comme dans n'importe quelle entreprise, j'ai envie de te dire finalement. Mais je, je trouve que ça fait du bien de voir Ferrari devant et j'espère que ça va continuer vraiment pour la suite de la saison. Oui, bah tiens, si je me fais une petite projection sur ce qu'on va avoir cette année, j'embraye sur ce que tu dis là rapidement. Sur 23 grands prix, là aussi, ça multiplie les cas de figure. Évidemment que euh, Sainz va gagner un grand prix. Oui, euh, évidemment. Enfin, là, je peux vraiment pas imaginer quand même que Hamilton n'en gagne pas au moins. Enfin, je peux pas la croire que Mercedes sera à ce point-là au fond du trou. Russell, Russell gagnera, gagnera hein, son premier grand prix. Ça, je, je le signe aussi tout de suite. Bien sûr qu'il y aura un accrochage ne Leclerc. Mais oui, c'est obligé. Sur 23 grands prix, euh, c'est inévitable. Oui, voilà, ça, c'est sûr. Là, c'est fair play, c'est beau, c'est respectueux. Et puis, ça apporte un super spectacle. Mais bon, évidemment que ça va se tendre et que ça va, ça va devenir. Euh, à un moment donné, ça va friter. Bah oui, forcément. Bon, donc il y a des choses comme ça qu'on peut deviner. Mais c'est le sel à peu près normal d'une saison qui est excitante et qui, effectivement, là, nous fait dire que la F1 a réussi son son virage par rapport à cette nouvelle réglementation. Moi, j'aime bien la forme des ailerons arrière. Là, je suis fan de ces ailerons arrière. Oui, ça donne très, très bien. Voilà. La, les différences de d'appelons ça de ponton, qui qu en, qu en est pas, mais chacun a un peu sa solution. Et effectivement, j'aime bien Red Bull. Ça me semble très découpé. Oui. C'est très audacieux. Mercedes, c'est vrai que je suis pas fan, mais au moins euh, ils ont tenté quelque chose. C'est peut-être pas efficace, mais euh, voilà, euh, pour le voilà. coup, oui, c'est honnête. J'aime beaucoup les, les pneus, les enjoliveurs dans les pneus, c'est marrant, ça, 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 euh, ça me donne un look. Un peu moins fan hein, chez Alpha, chez, chez McLaren avec le logo Google, oui. je vous avoue que là, euh, moi j'ai un peu de mal. Ah, bon ah ben, Ça me rappelle 2009 et les, 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 les enjoliveurs qu'on avait transparents là. Euh, non, oui. s'il y a vraiment un, un, un nom, ce serait vraiment ça, ces, enjol ces enjoliveurs, oui. Bon, ok. Et puis, bah, tiens, j'en je, profite pour, euh, pour euh, enchaîner, mon cher Maxime. Si euh, au niveau global sportif, les grands prix sont censés être une vitrine un peu pour chaque pays qui accueille un grand prix, euh, oui, est-ce que ces deux premiers grands prix d'Arabie Saoudite de l'histoire, qu'on a eu en, en quatre mois bah, seulement, hein, finalement, euh, puisque c'était l'avant-dernière manche l'an dernier fait. et la deuxième cette année, euh, est-ce que ça t'a donné envie d'aller en vacances en Arabie Saoudite et à Jeda en particulier. Alors, euh, je ne sais pas si j'irai prendre un ticket VIP pour le Grand Prix de l'année prochaine. Non. Mm. Euh, alors là, on va partir sur un terrain qui est très complexe, euh, puisqu'on ne doit pas déraper que ce soit vis-à-vis -vis du politique euh, et, mm. et du reste. Euh, sportivement parlant, il y a eu quand même des événements euh, où dans le passé la Formule 1 a fermé les yeux sur pas mal de choses, notamment à Bahreïn, hein, ça a été le cas mmh. il y a quelques années où quand même à, à 15 km du circuit on avait des tirs de missiles et c'était compliqué. Euh, C'est pas la première fois que le sport auto est touché à Jeddah, rappelle-toi, à Diria lors de la Formule i l'année dernière, on avait eu quand même des missiles interceptés après l'arrivée du Grand euh, de l'IPRI. Ce qui avait fait ah, parler ah, et ouais. fait scandale à l'époque. On avait vu des images après le podium où c'était chaud, sans jeu de mots malencontreux. Oui. Et ici, on se souvient. Tu te retrouve... au Dakar. Au Dakar, au il Dakar y avait un, également. Un, un équipage qui a été visé par été une bombe artisanale. Oui, oui, et, oui, bien sûr. C est, c est et le Dakar a bien lieu en Arabie Saoudite. C'est euh, sans qu'on l'ait oublié. Oui. Et donc, pour faire clair, une centrale donc, pétrolière de la compagnie Aramco, qui est donc le sponsor titre du Grand Prix pour en rajouter, a a explosé suite à l'envoi d'un missile lors de la séance d'essai libre de vendredi où on a des images surréalistes. Alors, on vous les met en dessous ici où on voit des mmh. Formulas passer avec un nuage de fumée derrière. C'est Jeddah sous les bombes. Alors, les jeux de mots sont nombreux et le questionnement plus que légitime, c'était « Fallait-il maintenir ce Grand Prix de Jeddah ?» Alors, mmh. même si l'année dernière, c'était plutôt sportivement qu'on avait des problèmes et que c'était propre et authentique vis-à-vis -vis de la F1, Là, c'est quand même ce qui se passait autour qui posait problème. Alors, euh, réunion euh, des chefs d'État euh, et de, de, de responsables de la Formule 1 avec le promoteur du Grand Prix, Aramco, euh, euh, Stefano Domenicali, donc le mmh. nouveau président de la FIA, euh, notre ami, enfin, président de la FIA, non, pardon, de, de la commission mmh. euh, F1, euh, Ross Brown qui vient également parler, et surtout, mmh. tous les pilotes et tous les team managers se réunissent jusqu'à pas d'heure vendredi soir pour savoir si oui ou non. Le Grand Prix doit continuer. Alors, de prime abord, moi j'aurais dit non, évidemment, mmh. parce que ça me paraît incroyable. Euh, J'en ai pour témoin les mots, les images et les stories et les, 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 les posts faits par le journaliste belge Gueltan Vigneron, qui couvre la Formule mmh. 1 pour la télévision belge, qui était limite avec son micro, comme reporter de guerre, avec son pare son presse, à dire bah, euh, on va rester jusque vendredi et voilà, quoi, tant pis, allez, salut, advienne que pourra. Waouh le... Personne, on a vu je pense dans sa, dans sa vie et son métier de journaliste euh, de journaliste donc ça m'a vraiment interpellé et euh, je trouve que non en fait il fallait juste quitter mmh. au plus vite euh, l'arabie saoudite sauf que on a menacé les équipes on a menacé la f que à l'aéroport on n'allait pas forcément leur fournir un avion pour quitter le pays. Je trouve ouais, ça quand alors, même fort de café. J'ai entendu quand coupé... de ça. je ouais, j'arrive voilà. pas à le croire va... complètement. Voilà, j'ai du mal quand même sur le fait d'interdire des gens de quitter un territoire. Mm. Maintenant, les pilotes et le GPDA auraient pu quand même se mettre en avant. C'est là qu'on regrette des gens comme moi, je pense comme Romain Grosjean qui en faisait partie et mm. qui aurait peut-être pu euh, donner sa voix. Et c'est là où Hamilton, Alonso, des gens qui sont là depuis plus longtemps auraient peut-être pu aussi faire aller leur aura et leur force dans ce contexte-là. Euh, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve ça hallucinant tout Simplement mmh. qu'on ait continué ce grand prix euh, au prix du sport, même si maintenant, posteriori, on peut se dire qu'il bah, n'y a pas eu d'autres incidents, il y a quand même eu quelque chose. Et franchement, en plus des accidents qu'il y a eu, je trouve que ce circuit mérite oui. pas forcément sa place au calendrier. Il y, a, il y en a 23. Là où on va supprimer Franck Orchand, alors qu'on a mmh. fait 40 millions de travaux, alors que c'est un joyau de la, de, du championnat. Alors je suis un peu oui. mon vieux Et réac, hein, mais j'assume vraiment. Mmh. Il hein, y a des très beaux nouveaux circuits urbains, il y a des très beaux nouveaux circuits, très intéressants techniquement. Je suis désolé, Jeddah est juste dangereux et pas qu'au sens sportif du terme. Ouais, non, non. Écoute, moi, je vais juste avoir une analyse rapide et un petit peu euh, neutre parce que parce que pff, difficile de, de plonger dans des avis euh, politico géopolitiques, euh, pas évident quand même. Moi, je pensais qu'effectivement le Grand Prix n'aurait pas lieu. Je pensais oui. que euh, de manière assez euh, logique, euh, euh, on allait décider de pas courir. Donc effectivement, je m'attendais à, à, à que ce soit annulé. Et donc ça ne l'a pas été. Alors, on sait pourquoi. C'est qu'effectivement, il y a des intérêts économiques monumentaux, car effectivement, il semble bien que l'Arabie Saoudite paye au moins 70 millions de dollars par an pour avoir le plateau, là où la France et la Belgique, AP, pour ne pas euh, nous citer, 4 fois moins. 4, voilà, c'est ça. Et qu'effectivement, il y a un contrat qui, qui court sur 15 ans, et qui donc approche, si je ne m'abuse, le milliard d'euros. Bon, bah effectivement, combien de fois on entend les considérations économiques passent avant tout et Oui et eh oui, et eh oui, et eh oui, c'est obligé parce que c'est le sel euh, de la chose, c'est le nerf de la guerre, et qu'effectivement, il n'y a, a pas une organisation à entité un petit peu commerciale ou, ou à des visées commerciales qui peut refuser le casser d'un contrat porte qui porte sur les... de... Oui, oui, oui. c'est ça. Bon. On rappelle Donc... par contre que la Formule 1, juste coupe un instant, mmh. la Formule 1 bon. a fait un tollé incroyable à au début de la guerre en Ukraine avec la Russie pour ne plus y aller mmh. à dégager ma zépine, soi-disant que... Mmh, mmh, mmh. Et après, tu vois ça mais oui. sur deux semaines. Mais oui. Alors ça, c'est le deuxième volet que je voulais dire, on est d'accord Maxime, mais effectivement, quand même, être allé se mettre dans, <laughs> ce, dans ce piège de l'Arabie saoudite, qui finalement est double. D'abord, qu'on le veuille ou non, il y a le pays, je suis désolé, je fais pas mon, mon anti-Arabie saoudite primaire, mais... Je suis désolé, j'enfonce une porte ouverte. C'est évidemment un pays qui pose un problème au niveau de quelques valeurs occidentalo-démocratiques dont on ne peut pas se satisfaire et on ne peut pas aller là-bas comme si de rien n'était. Je suis désolé. Donc, il faut au minimum avoir ce questionnement et, 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 et peut-être même se dire, mais pourquoi ont-ils été euh, s'associer à l'Arabie saoudite Parce que à chaque fois, c'est se mettre dans des situations quand même qui sont source de conflits et de polémiques. Ça, c'est obligé. Bon. Deuxièmement, en plus, le circuit est, euh, est, est, est horrible, entre guillemets. Enfin, je suis le premier à dire qu'il y a eu un beau spectacle à la fin de ce Grand Prix, je l'ai dit tout à l'heure, mais honnêtement, ce circuit Maxime, on ne le sent pas. On, on frémit, il est dangereux, il est inutile, il fait peur. Euh... Euh, il est, il, en plus, il est chiant. C'est la même chose en double. Euh, tu vas jusqu'au bout et as cette petite oui. parabolique euh, en mode un peu virage relevé, qui est sympa. Mais après, c'est la même chose que tu viens d'avoir, à savoir des, des enchaînements super rapides. Et, en et, et, aveugle, et, on, a installé oui. des, on a installé des écrans pour que les pilotes puissent voir ce qui se passe derrière les murs parce que c'est trop dangereux. J'ai du mal. Oui, j'ai du mal voilà. avec ça, avec ce genre de, de contraintes. oui, c'est pas grave. On va faire ça, ça ira. On continue quand même quoi qu'il arrive. Voilà. Et en plus, donc, le circuit est source de polémique. Donc et beaucoup. Donc effectivement, ce rendez-vous à Noël, auquel manifestement on ne pourra pas couper, chaque année, il y aura la polémique et chaque année, il y aura les discussions et chaque année, il y aura la menace d'un missile qui tombera à 10 km du circuit et chaque année, il y aura les questions qui se posent sur le circuit et chaque année, on se dira qui va se cracher, qui va aller à l'hôpital et qui va, qui va avoir des blessures en plus. Parce que Parce là, qu on, parle de la, on parle de la Formule 1, mais quand on regarde les classes inférieures avec la Formule 2, il y a énormément mmh. de problèmes, c'est-à-dire qu'il y, y a eu gros crash l'année passée, on se rappelle de Théo Pourchère sur la grille qui s'est fait très 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 peur euh, cette année il y a encore eu de gros accidents au moment du départ et sur le reste il y a des problèmes fonctionnels c'est-à-dire que on a quand même eu des sessions en retard l'année dernière c'était il y a trois mois et demi donc enfin euh, mm. voilà je veux pas faire non plus mais euh, des ordinateurs qui ne fonctionnent pas euh, une formation des commissaires qui est catastrophique voire honteuse mm. pour la F1 après tout ce qu'on a vécu et les drames qu'on a qu'on a connus euh, le circuit techniquement sportivement n'est pas intéressant, le seul endroit où on peut avoir du spectacle c'est un vibreur sur lequel les pilotes rebondissent pour aller se tuer. Je suis désolé, mmh. c'est ce que je ah pense. Oui. Donc non, moi le, le grand prix de l'année dernière était spectaculaire dans son contexte de fin de saison. Mmh. Cette année il était spectaculaire, oui, on a des belles photos avec oh oui, il y a des étincelles qui jaillissent quand on prend un vibreur. Mais non, en fait, moi je veux pas ça pour la F1, je suis désolé. Alors c'est pas mon avis qui compte, mais mais l'intérêt d'aller jusque là-bas au détriment de certaines. Alors c'est un mot que j'aime pas utiliser en disant valeur, parce que c'est pas ce que mmh. je veux dire, et je veux pas manquer de respect à cette culture qui est aussi riche que n'importe quelle autre sur cette terre, et voilà. Mais au niveau fonctionnel, logistique, sportif, politique. Il n'y a, a pas grand chose à sauver en fait. Mmh, mmh, mmh. Et, et c'est dommage, c'est dommage parce qu'on a déjà eu des critiques à l'époque où, quand on allait dans des pays bah, comme la Chine, comme le Bahreïn, où c'était parfois techniquement compliqué, on a été en Corée du Sud, euh, on est, on est allé dans des pays où c'était peut-être un peu plus compliqué, euh, où c'était un peu moins facile logistiquement. On était, euh, je suis désolé, le, le Grand Prix d'Inde, on est allé se paumer au milieu d'un désert. Mmh. On a rigolé de Bahreïn et finalement, aujourd'hui, c'est inclus littéralement dans le reste de ce qui s'est construit autour. Bahreïn, c'est l'exemple de réussite pas dire parfait mais c'est vraiment ce qui a réussi et on voulait faire ça avec d'autres euh, d'autres pays ça s'est pas fait ça, ça a été des fiascos euh, je me rappelle bon, une safety car euh, euh, une, une jeep si pas tu te rappelles en corée euh, mm. qui euh, était encore là alors qu'on relançait la course enfin c'est des pays qui n'ont pas la la culture sportive et la culture du sport auto comme nous on le connaît mm. en europe ou même aux états unis ou ailleurs et voilà, moi j'ai des commissaires de piste monégasques qui ont euh, fait des bonds de 10 mètres euh, pendant le Grand Prix avec euh, euh, ce qui a été fait. Quand on lève la as qu'elle se casse en deux, je suis désolé, c'est pas gérable. Par contre, Wittich euh, qui euh, vient sur place pour mm. vérifier, ça, merci beaucoup, c'est mm. très bien. Et ça, on mm. en redemande, mm. bien, bien grand bien lui fasse. Mais je sais pas, est-ce que tu trouves vraiment qu'il oui. y, y a quelque chose à sauver d'un Grand Prix non. comme, euh, comme l'Arabie Saoudite On parle juste bon, du bon. niveau. Rien qu'au niveau mmh. sportif, avant même de parler Mais du ouais. contexte politique et, et de, la, de, la, de la situation extrasportive, euh, le circuit est dangereux, il n'est pas intéressant techniquement, au niveau des pilotes, il n'y a pas grande possibilité de doubler, il n'y a que des zones DRS où bah, effectivement mmh. au bout tu freines, tu piles. Mmh. Oui, effectivement, c'est pas le Grand Prix que je regretterais s'il fallait en retirer un des 23. Ah Voilà, bien sûr, c'est ça aussi. Bon, puis en plus, maintenant, il y a Bahreïn, il y a Abu Dhabi, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite. Ah, je préfère oui, mille euh... fois aller à l'Oseille. Hein. L'Oseille était, était vraiment très intéressant, même si c'était un peu plus chiant, un peu plus euh, parking. Oui, ça. Grand Prix, Mais au moins, peu... euh, on se tuait pas, on ne risquait pas de se tuer à chaque virage. Ouais. Tout à fait. Bon. Alors je vais te poser, parce que l'heure avance et qu'on oui. a d'autres thèmes, je vais te poser des questions, à rafale et j'attends de toi, euh, tu connais pas les questions, hein, ouais, c'est la surprise, j'attends de toi des réponses concises, en 30 secondes, tu me dis ce que tu en penses. Bon, si je m'amuse à, à dénommer ça comme les, les tableaux d'honneur, hein, tu vois ce que ça veut dire, oui, bien pas sûr, que oui, cette expression en Belgique, les, les mentions spéciales de ce début de saison. Bon, alors on met à part Leclerc, Verstappen, qui sont forcément les têtes d'affiche, et puis même Sens et Pérez qui, se sont, qui oui. se sont distingués aussi. Bravo à eux, rien à dire. Bon, mais quand même, mention d'honneur absolue, Kevin Magnussen. On est d'accord. Voilà, t'es d'accord, oui. Et pourtant, bah, c'est un... un pilote que je n'aime pas, je le dois le dire. Mm -hmm. Je n'ai aucune affection et aucune sympathie pour Magnussen, mais. Euh... Bah oui, le voir avec madame et la petite dans le paddock, le voir ramener des points, comme si As venait d'arriver pour la première fois en F1 et qu'on avait plein d'espoir pour eux, bah on en reparle dans 8 oui mois quand la voiture sera pas développée et qu'ils bah, retourneront un peu plus loin, quoi, que le moteur Ferrari ne suffira plus. Mais bon, là, ça fait cas, plaisir, euh... effectivement. Ah oui, ouais, super. Ouais. Bon, euh, alors au passage, ben, Mick Schumacher, oui, là, en face de lui, un client sérieux qui là... peut le, le mettre en, un peu en difficulté. Un euh, peu en ou complètement, oui. Alors là, ah, le ouais. crash euh, qu'il a subi euh, a déjà coûté un million à As. Haas qui a perdu son sponsor titre il y a un mois, mmh. hein, avec Ural Kali qui s'est retiré euh, puisque Mazzeppine n'est plus là. Ce qui est logique, évidemment. Euh, ouais, moi, je ne serais pas si serein que ça. Hein, le, le baquet Ferrari 2023 pour, 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 mmh, mec, pour Mick, il n'est pas fait. Hein, parce non, que quand voilà. tu as Sainz et Leclerc qui sont en train de péter la baraque devant, moi, j'ai pas envie de, de ne pas signer pour au moins oui. 3-4 ans. Hein. Oui. Mais bon. bon, par contre, si on fait une projection pour l'année comme tout à l'heure, oui, Mick Schumacher va marquer ses premiers points en Formule 1 cette année. Il faut pas qu'il traîne, par contre. Il ne hein. oui, pas qu'il voilà. traîne. Ce sera avant oui, oui, Silverstone. Voilà. Alors, mention d'honneur aussi à Valtteri Bottas. Ah oui, c'est vrai, l'ancien pilote Mercedes, qui euh, d'ailleurs, au, au passage, a fait pas mal de, de beaux résultats, au point même d'être devant Russell ou devant euh, oui. Hamilton, ce qui a fait un tollé sur Twitter. C'était absolument euh, à mourir de rire les, les, les tweets qui ont été mis avec Bottas, qui, euh, qui rigole de, de son classement. Bah écoute, je vais pas devenir le fan de Bottas, parce que, je pareil, à l'image de Magnussen, Bottas m'a jamais euh, euh, enthousiasmé, excité, et que je maintiens ce que j'ai dit l'année dernière, c'est que qu'il ne soit pas sur la grille cette année ou qu'il soit là, il m'aurait pas manqué, comme jovi Nazi. Il réussit tant mieux, mais bon, euh, il a eu quelques années pour le faire avec une bonne voiture, il ne l'a pas fait. Alors, euh, peut-être qu'à l'image de certains pilotes qui étaient bons dans des voitures de, de seconde zone ou de milieu de peloton, il pourra faire de belles choses. Maintenant, euh, il deviendra un bon Nico Hülkenberg. Voilà. Mais, bon, alors je serais un peu plus, plus gentil que toi. Dieu sait qu'on l'a taillé l'an dernier et qu'il était. Ah, mais moi, ça fait dix ans que je le oui. taille, hein, depuis qu'il a quitté Williams. <laughs> oui. non, mais quand même, ce début de saison me semble-t-il prou semble prouve que. Une pression interne, oui. euh, un, un rapport de force en interne pas évident à gérer, une grosse machine comme Mercedes, des intérêts font qu'effectivement, un pilote peut se, se voir un peu écrasé. Pierre, par Gasly. Le truc. Oui. Pierre Gasly, qui marche oui, 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 à l'Alphatorie, voilà. qui marche du tonneau. Ah, oui. Donc là, quand même, c'est la preuve que tu peux t'épanouir et que le talent, il l'a quand même. Et qu'effectivement, là, ça a oui. libéré d'une quelconque pression, ça, ça va mieux. Donc, bravo à lui. Mais je mets aussi un tableau d'honneur à, jo, à Joe. Alors, ah, oui. tu sais que... Donc euh, nos amis de Canal nous ont bien dit euh, euh, en démontrant ça par A plus B qu'il fallait donc dire Guanyu Joe. Vous avez ça aussi en ça. Belgique? Joe, ou Joe? Exactement. Oui. Ouais. Spontanément on aurait dit Zou. Bon, Et bah oui. non, c'est pas Zou, c'est Joe. Allez, moi je dis Joe. Bah Joe, pas mal. Les points pour un point pour son premier Grand Prix. T'as as vu ce Grand Prix d'Arabie Saoudite? Il est dernier au départ, c'est il est oui. arrêté. Il fait une pénalité, ça se passe pas bien, il doit faire un drive-through. Mais et et c'est pas, sa faute, hein. pas oui. sa faute, c'est pas sa faute. C'est le Jackman, donc le, le, le responsable mmh. de mécanicien qui doit lever la voiture, qui arrive et la lève alors qu'ils ne sont pas censés la toucher avant 5 secondes. Ça, ouais. c'est pas sa et faute au... à lui. Et au final, tu t'aperçois, alors évidemment, il y a des circonstances de course, mais tu t'aperçois qu'il fait 11. Attends, oui. <laughs> super J'aurais tellement bon. aimé qu'il passe juste à Milton pour aller mettre ouais. une deuxième fois ses points, mais bon, premier chinois en F1 qui marque des points. Il avait fait de très belles choses en Formule 2 et sur les classes inférieures, donc je trouve que. Il n'a pas volé son volant. Des points, ça va tout de suite le rassurer peut-être de se dire j'en suis capable avec une Alpha qui marche bien, moteur Ferrari qui marche bien. Donc, eh, pourquoi pas un futur euh, Albon, Russell, se cache en Guanyu mm -hmm. et euh, bah ça m'a fait plaisir oui de le voir avec euh, avec ce petit numéro 24 sur l'Alpha et et ouais je sais pas il, il, il faut qu'il peut-être alors une expression mm -hmm. mais il faut qu'il lâche du lest et qu'il se détende un petit peu et je pense que d'ici quelques mois si ça continue à être aussi bon que ça avec Alpha bah, il pourrait devenir un, un personnage du paddock euh, à part entière qu'on qu retient et qu'on n'oubliera pas d'ici quelques années donc euh, j'espère voilà. que la spirale continuera dans le bon sens pour, pour ce garçon clairement On est d'accord et puis dernière petite question comme ça au passage mon cher euh, Maxime est-ce que tu mets un tableau d'honneur à Esteban Ocon à l'issue de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite Ouf ah, euh, alors là, alors c'est vrai qu'effectivement par rapport à Alonso qui a eu des soucis, il est quand même devant au niveau du classement, mais euh, est-ce que défendre son bout de gras jusque-là était nécessaire Alors on sait qu'Ocon quand il est dans une voiture rose, il perd un petit peu les pédales, on l'a vu les dernières années avec Force India et Racing Point, euh, j'ai pas compris sincèrement, je n'ai pas compris. est-ce que euh, l'orgueil d'un pilote a suffi? est-ce que c'est une mésentente vis-à-vis -vis du team? est-ce que euh, euh, otmar zafnauer, qui est un patron à la poigne incroyable, c'est ironique, bien évidemment, euh, mm. n'a pas su gérer ses pilotes? et c'est peut-être là en fait le problème, c'est que alpine, qui a changé sa trinité de tête de, de gestion pour avoir zafnauer, qui soit entre guillemets le décideur ultime, si Pepper ne se décide pas à appuyer sur le bouton pour demander à Ocon de, de laisser passer Alonso, ça va pas le faire. Et pourtant, la cohésion d'équipe, c'est ce qui a amené chez Alpine l'année dernière un podium et une victoire. J'espère mmh. qu'on va pas perdre ça à cause de Zafnauer. Je ne suis pas forcément euh, à taper sur Ocon parce que qu'il bah, défend... Sa place, son bout de gras, et je, je le comprends. Maintenant, peut-être qu'on est allé un peu loin pour Alpine, et quand on voit l'état actuel du moteur Renault et l'abandon d'Alonso, justement, encore en fin de course, il euh, y a peut-être une gestion à, à réapprendre. Je ne sais pas, tu penses que Ocon était euh, à punir ou à montrer du doigt pas, pas forcément, je ne peux pas lui en vouloir, moi, d'avoir fait ça. Non, parce que on s'est <laughs> commencé, et qu'effectivement, qu'il montre qu'il est au même niveau qu'Alonso, globalement, on va dire oui. ça, et que les deux sont là pour se battre, ben oui, c'est super, je, je, je le comprends. Maintenant, non, je pense qu'il a un peu franchi quand même la ligne jaune, enfin rose. Rose! Et que, voilà, et que, et que non, il en a trop fait. Et qu'à un moment donné, il fallait être un peu sage. Et j'avoue que sa déclaration d'après-course, en mode faussement innocent, oui. c'était génial, c'est comme une course de cartes. Oui, non, Esteban. Euh, c'est euh, pas l'idée. Oui, non, c'est ça, c'était énorme. C'était pas que ça non plus. Voilà, il fallait peut-être pas que ce soit ça, justement. Bon, bref. Donc, euh, je vais pas, je vais pas critiquer mon un de mes deux représentants de mon pays, mais disons que ouais, j'aurais tendance à dire, faudrait pas que ça arrive tous les week-ends. En c'est ça. Cas, voilà. Parce que, là, voilà, c'est ça. Bon, allez, bah, je te propose de, de, de terminer là notre longue page. F1, mais il y avait évidemment de quoi, de quoi dire. Et on va en propose... Australie. On va en Australie, tu te rends compte Oui, ça, oui, va, ça va... va avoir lieu. C'est incroyable, ça fait trois ans qu'on attend d'aller à Melbourne où il y a eu les travaux, on a refait le circuit, il y allait avoir, mais pas le supercar, mais finalement il y aura tout. Mmh. Mais euh, mmh. finalement, je ne sais pas, on va rester trois semaines pour euh, tellement on va être content d'aller à Melbourne. Je suis oui, désolé, hein, mais moi j'ai vraiment hâte de voir le nouveau circuit avec les cours beaucoup oui. plus rapides et avec mmh. le nouvel F1. Je sais qu'on allait passer à la suite, mais juste un petit mot. Je sais pas si dans les commentaires, ça vous, euh, ça vous intéresse vraiment de retourner à Melbourne. Mais moi, je, je trouve que Melbourne est un circuit qui doit toujours, pour moi, ouvrir la saison. Parce que voilà. Ouais. symboliquement, il faut qu'on aille à un circuit comme Melbourne semi-urbain. et Je sais pas. Moi, je suis excité comme une puce. Je t'avoue que j'ai ah oui, mais... hâte. Mais moi, je le mets toujours dans mon top 5 d'une année. Quoi, 220 oui. km heure globalement en ville et pas à la façon de Jeddah, euh, moins artificielle, avec de la variété, une ambiance géniale, un oui, cadre sublime. Ça, c'était pas moi qui ai l'Australie chevillée au corps. Bon, euh, ceux qui me suivent très, depuis longtemps le savent. Donc là, oui, je vais pas me plaindre. Donc, effectivement, j'attends ça aussi avec une très, très grande impatience. Maxime, tu as tout à fait raison de le dire. Bon, bah, on en reparlera évidemment euh, là, lors du prochain numéro. On est parti, vous l'avez compris, maintenant vers hein, des rendez-vous plutôt mensuels en ce qui concerne Green White Checker, mais ce qui nous permet effectivement d'avoir une belle qualité puisque nous avons déjà une belle quantité. Voilà. Alors, je te propose de, de, de passer à la deuxième partie. De notre talk aujourd'hui, nous allons parler IndyCar. Drapeau blanc, effectivement, pour euh, la deuxième partie sur les trois au programme. Alors, l'IndyCar, bah, qui est une discipline évidemment majeure, là depuis quelques saisons, c'est l'évidence même. On l'a toujours suivi, nous, bien sûr, mais mmh. il y a peut-être eu des périodes un petit peu moins glorieuses, mais là, c'est clair qu'on est dans un, dans un sommet. Avec alors. Évidemment, puisque j'ai cette fibre australienne dont je parlais il y a quelques instants, tu sais, je ne l'ai jamais euh, caché que Scott McLaughlin est évidemment mon, mon petit chouchou, que je suis persuadé que ce type est phénoménal. En tout cas, en supercars, il l'a été. Passer quand même du tourisme à de l'Indycar, euh, de la monoplace, de tel haut niveau, je suis quand même le premier à avoir applaudi à ce à ce, à, ce, à, ce, à ce mouvement et à, et à la décision de Roger Pansky, mais j'ai été le premier l'an dernier, même si je l'ai vu un peu, on va dire, en mode apprentissage. Bon, de là à dire qu'effectivement, euh, il va pouvoir être un futur champion, j'aurais peut-être pas dit ça. Mais, écoute, <laughs> ce début d'année 2022, bah, c'est incroyable, c'est comme si effectivement Scott s'était dit Bon, bah ça y est, maintenant j'ai appris, <laughs> et maintenant je vous montre comment on fait. Donc, effectivement, euh, alors, il fait la pole ou pas à Saint-Pétersbourg, Zud, j'ai un doute. Euh, non, c'est Rosenvist, non Oui, alors non, Rosenvist, il fait la pole à, au ah, Texas, 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 pardon. Euh... Je crois qu'il fait la pole quand même. Je bon, pense qu'il bah, fait vrai. la pole. Oui, 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 il fait pole et Victoire, oh. oui, pardon. Il fait Paule et globalement, il a été... Oui, il part devant Palou, excuse-moi, ça oui, me revient au voilà. moment où ah, je ah, le non, dis. Ouais. Si c'est Mathieu, bah, toi, moi-même, je me suis dit, bon, bref. donc bref, une démonstration impeccable, là. Euh... Rien à dire, Paul, euh, la majorité est tourmenée, une, 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 maîtrise, euh, une maîtrise globale, impeccable, il gagne à Saint-Pétersbourg, c'est quand même pas un circuit si évident que ça. OK. Texas, moi bon, à chaque fois que je vois le Texas, euh, mm. euh, Maxime, j'adore ce rendez-vous parce qu'il est, il est mythique, mais là aussi, dans la série des circuits dangereux, Ça a en eu de la tronche, mais à quel prix hein Oui, on est d'accord, oui, ouais, on, on, on s'est se moqué de l'Arabie saoudite à ce niveau-là, oui. mais c'est vrai que le Texas, on a des mauvais souvenirs. Hein. Et c'était voilà, il y a ouais. euh, 11-12 ans maintenant. Hein. Oui, oui, c'est pas ça. si vieux bon. que ça. Non, non, non. Bon, chaque année, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore au Texas Ça va être un drame. Bon, ouais. ça n'est pas un drame. Mais bon, là, je vois mon Scott qui fait deux sur la grille, qui mène tous les tours et qui, effectivement, euh, craque de manière un peu, oui, la regrettable pour lui dans, dans le dernier tour. Ah, il a mais montré que c'était fait... un rookie encore. Oui, c'est ça, la, euh, erreur de rookie. <laughs> mais qui nous fait une démonstration, globalement, sur l'ensemble de la course, encore une fois, phénoménale. Donc, moi, effectivement, je me dis mais ça y est saigné. Scott McLaughlin est effectivement <laughs> la, pépite, la pépite annoncée, même j'osais pas le croire à ce point là extraordinaire. Alors, est-ce que je m'enthousiasme un petit peu trop Est-ce que tu, tu, tu voudrais mesurer un petit peu plus ce, ce, ce début de saison de la part du Néo-Zélandais Comment tu l'as vécu euh, Moi, je l'ai vécu comme une petite claque parce que, bon, déjà, j'étais très content pour toi parce que je sais que tu aimes beaucoup ce pilote. Mais, euh, personnellement, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est juste euh, un pion de plus dans, 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 dans l'échec, en fait, dans le jeu de l'indy Et je ne l'avais pas vu venir celui-là. Alors, autant, oui, mm -hmm. Palou, Power, euh, Vicky, Erta, Howard, euh, uh, on se dit, ok, c'est bon, ceux on les connaît. Mais Je savais pas quand même que euh, Scott allait euh, aussi rapidement montrer euh, son autorité, surtout sur deux circuits intrinsèquement totalement différents. Euh, parce que bon, c'est vrai que sur les ovales l'année dernière, parfois il avait fait des bons résultats, mais voilà. Mmh. Euh, je m'attendais pas à ce que bah, il soit quand même à ce point-là euh, devant. Euh, bon, il est dans une bonne équipe quand même, il ne <laughs> pas sûr. se le cacher, oui. mais bon, autant profiter d'être là. Et euh, non, non, je m'attendais pas à ce que Scott fasse mmh. premier et deux sur les deux courses. Après, il termine euh, devant Palou du coup à, à Saint-Pétersbourg. C'est bon, mmh. Newgarden qui gagne, mais bon, Newgarden, il a une bouteille, euh, c'est limite, il a une cave à vin euh, d'expérience derrière, donc on peut pas lui en vouloir d'avoir... Perdu face à l'expérience de New Garden, euh, mais quand même dans la catégorie du renouvellement, même si Scott n'est pas un tout jeune, euh, bah, c'est encore une bulle d'air de frais euh, pour les bah ouais. qui euh, a une grille, je trouve. alors voilà, je vais peut-être m'avancer un peu. Je sais qu'il y, y, y a des Français, il y a, il, y a, il y a pas de Belges, mais je trouve qu'on a une mm -hmm. des plus belles grises cette année d'IndyCar mm -hmm. depuis de très mm -hmm. nombreuses années. Et ça, s'est construit au fur et à mesure de ces 3-4 dernières saisons, où avec ceux qui sont promus de l'Indy Light, avec ceux qui arrivent un petit peu de, comme à l'image de Grosjean, on a eu l'arrivée, bon, Ericsson, même s'il en a gagné une, bon, mm -hmm. il est quand même là, il est cinquième du championnat, donc, voilà, il a fait à l'image peut-être euh, de de McLaughlin son expérience maintenant bon bah Jimmy Johnson qui gêne un peu aussi ça ça ouais, m'a ça m'a ça, ça <laughs> ça, ça rendu un peu ouais. un peu fou parce que je me dis bah voilà il voit encore clair l'ami Johnson mm -hmm. mais, euh, mais voilà j'ai j'espère que un jour on pourra dire que Scott McLaughlin a gagné l'Indy 500 par exemple que ce soit ouais. un pilote qui commence une deuxième carrière dans un autre domaine comme tu l'as dit entre le alors tu dis du tourisme. Alors, moi, j'ai un peu de mal en pensant que le supercar est du tourisme, ah. parce que c'est une discipline qui est tellement propre et spécifique, avec ses particularités, sa technologie et son, son histoire, que euh, je trouve qu'on est champion de supercar. C'est encore plus pour moi, c'est amélioratif par rapport à champion de voiture de tourisme, où c'est parfois un peu plus des tractions, un peu plus chiant. Un peu plus, mmh, voilà, bah ouais, Alors, ouais, Le supercar ouais. est plus spectaculaire et plus. Euh, ouais plus fait. Euh, viril si je puis dire sans être méchant <laughs> et, 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 et voilà et le, le début de saison est prometteur et j'ai qu'une hâte c'est que ça continue en fait pour lui mais que ça continue aussi à se battre avec Palou qui doit se défendre par rapport à l'année dernière avec Dixon qui fait de la résistance avec Vique avec euh, bah mm. oui que soit enfin moi j'ai toujours Howard qui euh, finira oui alors euh, Howard bon, mais il faudrait peu, voilà euh, faudrait oui. quand même euh, débloquer un petit peu la, la bride hein, parce que là ça commence à être dur alors si je reprends les classements de Howard il a fait 13 13e et 12 12e ben ah oui, c'est pas, pas, pas terrible même, hein. pour un prétendant au titre, et effectivement, McLaren l'a moyen, et Howard a laissé passer des points. Non, moi j'ai envie de te dire, la logique voudrait que, bon, bah évidemment, les Pensky seront aux avant-postes, oui, Ça, à loup. Palou en tant que champion titre est très solide, on l'a vu des Saint-Pétersbourg, ah oui. sera toujours là. Avec effectivement un Dixon et Erickson en deuxième niveau maintenant, mais qui sont, qui sont très solides. Oui. On oui. veut croire qu'effectivement Howard sera là quand même. Euh, non, l'inconnu c'est quand même Andretti. Alors je suis très confiant sur Colton Herta, qui je pense est vraiment aussi... Une... Bah, il il était vite. là, mais alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure, il n'est pas parti en même temps que Palou, c'était Erta qui était pas loin au départ euh, à côté de, de Scott, je pense. Il avait, il avait fait une bonne tarif oui. à Saint-Pétersbourg. Oui, c'est ça. Bon, Excusez-nous euh... si on n'a pas revérifié au moment de. Il oui, ça ça, y a eu Texas ah, entre oui, deux, donc ça. moi j'ai le Texas pour voilà. son tête. Mais... C'est ça. Mais non, mais Erta sera là, c'est sûr. Là ouais. où, par contre, chez Andretti, alors Steve, évidemment que nous on a une confiance énorme en Romain Grosjean, qui, même s'il fait une course à un peu. Ah, chouïa décevante à Saint-Pétersbourg, arrache finalement un top 5. C'était très oui. bien, c'était un très bon signe, très efficace, au final, il y a un super résultat. Bon, au Texas, là, pas de chance, trahi par la mécanique, là, c'est sûr, c'est un coup d'arrêt. Rossi, je vais commencer franchement à m'inquiéter sur lui, parce que je crois oui. que là, ce, les la, signes la se multiplient. Ben ouais, bah ouais il, est, il a eu son heure de gloire dommage. il y a 3-4 ans, et, ouais. mais là, je le sens stagner et pas, pas être vénard, en fait. Et ça, Oui, ça, ça joue beaucoup, tu dommage. as raison. Oui, oui, bah il y a oui. souvent le petit quelque chose qui manque pour réussir. Là où d'autres euh, sont dans la phase où il était à l'époque, il y a, comme tu dis, 3-4 ans, est ça il arrivé. Voilà. Je rajouterai effectivement Viquet dans l'équation parce qu'on n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé l'an dernier, mais il y a eu quelque chose. Hein, en oui, deuxième ça s'est écroulé dans la deuxième partie oui. de saison. Il allait, bah, ouais, peut-être la malchance à l'image de peut-être de Rossi, mmh. tu vois, ça ne se goupillerait voilà. pas bien. Mais là, il a l'air de revenir euh, au contact. Il faut qu'il tienne toute l'année maintenant. Hein. Il faut voilà, qu'il tienne toute la saison. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, il bah, y a un petit jeune que j'aime bien, là, parce qu'il nous a fait, un moment donné, deux, deux dépassements fabuleux euh, lors d'un restart. C'est Kyle Kirk Kirkwood. Ah, Kirkwood, oui, a... euh, hein oui, oui, oui. La voiture oui, souviens toute souviens de euh, noire nom. des ouais. g Foyt. À ouais. un moment donné, il nous fait un dépassement par l'extérieur. Et euh, honnêtement, c'était extraordinaire. Donc, effectivement, moi, je me suis dit, ce petit jeune qui, qui est effectivement ouais. a, a un palmarès fabuleux, il, il a tout gagné là où il est passé hein, tu sais alors non je ne vais pas te mentir que je n'ai pas non. vu son, son palmarès mais euh, son nom a été cité euh, pour la première oui. fois début de saison et je n'ai pas encore fait euh, le tour de la grille ben, c'est l'équivalent de Piastri euh, ah ok d'accord les, tro les, les, les trois euh, les... oui américains les, les trois formules de promotion des trois dernières années il les a gagnées donc effectivement euh, là on ne peut pas lui reprocher ce grand chose ce monsieur a quand même cité tous les favoris de la saison sont cités Will Power hein, quand même <laughs> alors oui eh ben, c'est fait exprès c'est fait exprès ah j'allais je... non non je persiste à penser que Will Power et euh, dans une deuxième phase de carrière et que même fou, si hein, effectivement euh, il est toujours là et il n'y a pas de problème et ah il gêne il... pas hein et sa voiture est ouais. plutôt jolie d'ailleurs en passant euh. mais bon non chez Pensky c'est McLaughlin et New Garden et qui, tout, qui, quoi, vont, ouais. qui vont dominer ouais, ça c'est sûr voilà ah, je... est-ce que Power <laughs> pourrait nous faire une Dixon euh, qui résiste un petit peu je sais pas je pense que ouais. euh, on pourrait quand même le garder dans il est combien Power il est quatrième je pense bah. oui voilà euh, ouais. bon après on a fait encore une fois que deux courses oui, et pour finir, euh, bah, nos deux amis euh, vétérans euh, pun et vainqueur d'Indie, donc le duo Pageno-Castroneves, euh, moi, je veux croire qu'il aura, euh, aura des coups d'éclat. C'est chance, oui. oui, parce que Alors, il... Simon mmh. ne va pas vivre une saison aussi difficile que ces deux dernières années, je pense. Non, voilà. Ça devrait aller donc, mieux. Euh, et là, il est peut-être un peu à la botasse, un petit côté où il y a moins de pression. voilà. Alors, il... C'est vrai que dans les, dans les départs et les restarts, il est toujours un peu en mode... Euh... C'est ouais. délicat pour lui. Mais en rythme pur, il était bien. Hein, depuis mmh. la... Donc, effectivement, je veux croire que les deux-là vont arriver à bien, à bien monter en puissance et à avoir des, des coups, d'éclat L'expérience pourrait faire le coup de, bah, peut-être mmh. une cinquième victoire à pour certains. Ça ah oui, bien, ça. Ce serait ouais, exceptionnel se quand même. Et alors, un petit mot pour Romain quand même, qui a bien capitalisé ouais. à Saint-Pétersbourg, alors qu'effectivement... Et dans assez... les stands il s'est fait peur à hein, Saint-Pétersbourg. Il a failli se faire couper en deux. Je plus par quelle voiture et je me demande c'est pas par euh, scott enfin c'était ah, très très chaud plus. en gros il y avait un ouais. entassement de trois voitures et lui il est arrivé derrière mais il a freiné mais au dernier moment donc euh, ah, oui, oui, ça oui, a oui. été particulièrement bon. chaud ouais. non mais c'est sûr que euh, le terrain des ovales euh, très rapide c'est sûr que c'est celui où il sera le moins euh, à l'aise mais des circuits routiers euh, à la barbeur à la, à la... Long beach à euh, il Franchement, va là, euh, oui, ça, ça va. Là aussi, je prends les paris qu'évidemment, Romain Grosjean va gagner son premier Grand Prix IndyCar cette année. Je ne suis pas aussi certain que ça. sache Avant Ah, bon, ah, ah bon. bon. Mais on verra. Ah, si, si, si. Bon, voilà. Eh bien, affaire à suivre et on verra bien. C'est Long Beach, hein, le prochain rendez-vous. Long Beach, oui. magnifique circuit. Enfin, moi, j'adore oui. avec la, la Fontaine. Enfin, c'est un des plus beaux circuits pour les photos d'IndyCar. Hmm. Vraiment, Long Beach, c'est immanquable. Bon. Ben, si tu as fait la F1 à Monaco. Oui, Long Beach, en Nickard te fait pas peur, donc euh, donc. À euh, ah, pronostic, euh... mon cher LFB pour euh, Long Beach. Bah, <laughs> <si rire> c'est si tentant, je... dire Scott McLaughlin, oui, là, ouais, ouais. oui parce, que, parce que on va quand même penser un peu à Saint-Pétersbourg et on va se dire c'est quand même aussi un peu un esprit euh, voilà un peu urbain, à l'américaine, mais en même temps bon, je vois bien mon Romain Grosjean euh, mm -hmm. éclaté, voilà, je venais juste de te dire que si on est capable de faire Monaco en F1, on peut gagner. Sans à... problème. À, à Long Beach. Donc allez, allons-y pour Romain parce mais que. Mettrai quand même sur Dixon personnellement, mais ça c'est ah oui, Ah ouais, non on oui. aimerait bien. Non mais Dixon, là aussi dans les paris de la saison, va bien nous faire sa victoire annuelle. Oui ça oui oui forcément. ça oui forcément. Ah oui, ça, ça. Amis, il va en gagner une, c'est évident. <laughs> Hamilton a bien fait son premier son podium pour la <laughs> 16 e année consécutive, <laughs> c'est hein. incroyable hein. donc euh, Dixon va bien nous faire sa victoire annuelle. On est parfaitement d'accord. Bon dis donc, je vois l'heure qui avance. Qui tourne. <laughs> Mais je ne doute pas que vous soyez, nous, les, les, les spectateurs de cette émission, euh, bah, que vous soyez bien euh, calés, que vous voudriez qu'on en parle encore pendant des heures du sport automobile international. Mais non, on va, si vous le voulez bien, passer à la dernière partie spéciale WEC et Supercars. Le drapeau à damier est agité. Alors, Maxime, on a choisi effectivement de de sélectionner deux disciplines, parce qu'il y a toujours pas de redémarrage hein, au niveau BTCC, DTM, Alors, ça WTCR Ça oui. commence. Le WTCR, on a quelques présentations de voitures, mais on n'est pas encore là, puisque la première manche de Most a été annulée en République tchèque. On va commencer mmh. un peu plus tard. Le BTCC, les essais ont eu lieu pour la première fois ici euh, ces jours-ci, avec euh, les premières BTCC hybrides qui ont roulé, donc les BMW, etc., on vous en, fera une... vous en fera une belle page quand la saison aura commencé euh, d'ici quelques semaines. Et euh, en championnat DTM, alors c'est pas du tourisme, mais pour l'instant pas grand chose, ce n'est quelques annonces, l'arrivée mmh. de nouveaux pilotes comme euh, Nikki Team, euh, notre ami... Euh... Avec son cornet de frites sur la tête, on l'a mis en Belgique, <laughs> qui euh, re reviendra en DTM. Donc euh, pour l'instant, ça, ça commence tout doucement. Et euh, bah non, on n'est pas encore dans le vif du sujet de ces saisons qui sont souvent bien plus courtes. Mais maintenant, on s'est <laughs> habitué avec l'IndyCar, la NASCAR, la Formule 1, à avoir des championnats avec 20, 30, 40 courses. Les championnats européens et les autres championnats sont parfois un peu plus courts. Euh, oui. Il y aura de la Formule 2 e aussi ce week-end en passant d'ailleurs, puisque ah, oui, je ne mmh. serai mmh. pas aux commentaires. Euh, bon, enfin, c'est pas possible. Bah, écoutez, mmh. euh, spammer la RTBF, le compte BF Sport sur Twitter, expliquez-leur que pourquoi pas moi, mais je ne serai pas au micro malheureusement la semaine prochaine, je serai en vacances pour être tout à non. fait honnête. <laughs> ok, mais on est avec toi Maxime et on espère que tu reviendras vite au micro de <laughs> euh, commenter la Formule I en Belgique. Bon, et donc le moi. WEC Le WEC, oui, alors Sebring, ben, c'est vrai que oui, c'est un rendez-vous, Sebring doit faire partie du calendrier WEC. Oui, évidemment, champion du monde d'endurance, euh, on se réjouit qu'il y ait des Tonas, qu'il y ait Sebring, qu'il y ait Le Mans, euh, Monza, euh, Spa, oui, c'est ça, c'est un grand champion du monde. Bon, t'as vu que la course a quand même été écourtée ouais. suite à Drapeau Rouge, suite à Orage, euh, donc effectivement, ça a été assez mouvementé. <laughs> Mais donc, alors, on en est à une domination quasi sans partage d'Alpine! Et ça, <laughs> croyez-moi, entendre ça de la bouche de il y a trois mois, je l'aurais pas, pas signé, en hein, wake, parce que franchement, mais, mais comment, <laughs> comment est-ce possible Bon, après, Toyota s'est un peu pris les pieds dans le tapis, enfin dans les bosses, mmh. hein, évidemment. Mmh. Euh, mais euh, oui, parce que c'est pas comme si l'écart était euh, minime, je crois qu'au total, il y a 40 secondes d'écart, ce qui, bon, peut paraître ridicule comme ça. Avec la course écourtée... Euh, quand même euh, oui Alpine est là puis avec des pilotes qu'on a mais bien quand sont... même hein Nicolas Lapierre Mathieu Maximilien euh, oui. voilà non non, mais ils, ils ont, ont fait la pole, ils ont globalement été devant ouais. et même Toyota a reconnu qu'ils ne pouvaient pas lutter donc effectivement ce règlement WEC fait qu'une P1 non mais ça fait deux ans qu'on parle de vrai. hypercar et c'est encore une P1 qui gagne alors non mais moi c'est très bien évidemment c'est une super story et et, et quelque part pas volé. Ça, voilà c'est pas volé et que et que ça prouve que Toyota n'est pas toute seule non plus et qu'il peut y avoir quand même du suspense et c'est super. Bon, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant alors qu'on alors qu est en mode hypercar, qu'on attend toutes les LMDH arrivant, Peugeot, bon, qui fera pas Le Mans, mais c'est quand même logique, faut être honnête, on ne peut pas s'offusquer. Ce serait un peu euh, aller au casse-pipe. Hein, ouais. Oui, voilà. Par contre, on a appris que les LMDH des équipes, on pense à Porsche, euh, oui. euh, qui, voudraient, qui vont venir aussi en 2023, tout comme Peugeot, le droit de venir faire des courses week en fin de saison en mode pas de points marqués mais Test de grandeur présence. réelle hors classement ouais, c'est voilà. bon, ben très bien c'est très bien d'ailleurs on salue donc, le, le, je me permets je, je oui. euh, laurence stroll qui a fait une très belle démonstration de la saint martin valkyrie à Bahreïn, oui. euh, mm -hmm. qui est une voiture qui était censée rouler en LMDH et qui ne roulera pas je vous déteste monsieur stroll voilà <laughs> voilà oui c'est vrai donc une belle victoire sympathique de la part d'Alpine effectivement et... Mais peut-être un peu en mode champ du signe aussi, parce que, quand même, à un moment donné, bah, ouais. cette Alpine XP1 ne sera plus là. Euh, Toyota, alors bon, bah, évidemment, on a quand même. <laughs> puisque il y, y a un peu de mauvaise foi, des fois, dans notre émission, parce qu'on <laughs> se permet parfois un peu de juger, de critiquer. Bon, euh, si ces dernières années, un pilote Toyota a parfois été critiqué, c'est José María Lopez. Je, 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 hein, je, suis, je suis désolé de le dire. Bon, est-ce que là encore, euh, notre ami ne mérite pas un petit carton rouge, quand même tu as vu l'accident Alors l'accident je l'ai vu, je ne l'ai pas forcément mmh. compris tout de suite avant de revoir les mmh. images parce que je me suis dit mais mon dieu Fred mon grand, qu'est-ce que tu vas nous oui. mettre le, la, la voiture à l'envers euh, On a eu un peu peur quand même, hein. faut pas être mmh. honnête, on rigole, mais sur le moment j'étais pas serein, serein. Euh, ouais bah José Maria Lopez, quand il roulait chez Citroën en WTCR, euh, enfin WTC à l'époque c'était très bien maintenant. C'est vrai que chez Toyota, entre lui et Conway, ça commence à faire pas mal de, pas mal de carbone et mmh. pas mal d'erreurs qui ne sont pas c'est dur à dire comme ça, mais digne d'un pilote d'endurance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la manière dont il roule, j'ai l'impression que parfois il part pour un sprint de 50 minutes sur Racing. Il est sur sa simu, et au pire il redémarre une course et c'est fini. Et j'ai du mal et je dois t'avouer que pour moi, José Mariano López ne mérite pas un coéquipier comme Camus Kobayashi, par exemple, qui devrait peut-être être sur une équipe plus performante. Mais alors, dans ce cas-là, ce serait vraiment avouer d'avoir un top team avec Boemi Hartley et Kobayashi. Et une deuxième voiture un peu... Lire de seconde zone chez Toyota et c'est pas l'idée, mais euh, non, encore une bêtise de Lopez. Alors on va pas toutes les citer ici parce qu'effectivement, sinon euh, je donnerais les clés à LFB et voilà. <laughs> mais euh, je il ne... l'a reconnu, hein, alors, alors oui, maintenant il reconnaît ses erreurs. Ça c'est déjà un peu en avant avance. Mm. En, ouais, avance. Je... Maintenant, euh, c'est dur. Quoi. Enfin, je, je sais pas, il n'avait ouais. pas besoin de continuer à fond. Il non. a perdu le splitter, on le voyait, on le sentait. Il était même mm. pas au volant de la voiture que ça allait pas aller bien et il continue à fond. Je sais pas, bah, j'ai oui. pas, pas compris. Non, non, c'est vrai que là, c'est une, une grosse bêtise, on va dire. Oui. Mais bon, allez, Toyota, nul ne, ne doute qu'ils vont évidemment se remettre aux avant-postes pour la campagne européenne et le Mans. Et le Mans, diviser. ils vont gagner comme chaque année voilà, parce que Alpine ça, aura ça, un problème fait... de, de quelconque et Glikenos va abandonner après, euh, oui, après oui, 23h50 et que, minutes. Et que le règlement au Mans sera plus favorable, effectivement, qu'à Saving. Qu bon, en P2, très belle bataille. Et là, je pense que ah, oui, à, contre... ça, ça annonce. Euh, D'autres luttes dans l'année, bah, United, WRT, euh, qui, sont, qui sont là, effectivement, qui se sont livrés une belle bataille. Euh, moi, j'ai eu un. Euh, évidemment, j'ai suivi très attentivement les débuts de Sébastien Augier en, en ouais, endurance. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah. Et c'est vrai, quand on y repense, Maxime, non mais attends. Euh, on, on avait parlé percuté... de Scott McLaughlin, mais c'est quand même oui. un, un switch quand même assez audacieux. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelques <laughs> semaines, il. Sébastien a été avec nous. Il dit Bon, les gars, euh, j'envisage de commencer ma carrière en endurance en P2 à Sebring euh, aux États-Unis. C'est vrai que honnêtement, on lui aurait dit Attends, il n'y a, a pas plus simple pour commencer. Il, euh, le comme LMS celle. à Monza, c'est très bien aussi, oui. tu sais. <laughs> C'est vrai qu'on y pense. C'est fou. Tout le temps, cette piste, elle a été tellement particulière. Elle a mmh. été compliquée pour tout le monde. Même les Peugeot dit quand ils étaient à l'époque, oh, je peux oui. te dire à Sebring, ça souffrait, c'était pas simple. Les Porsche Spider à qui... l'époque euh, oui, oui. se plaignaient aussi de Sebring. Ouais. Voilà, bon, il y a encore un, deux mois, il est au Monte-Carlo. Là, il monte dans un paquet, il se retrouve à Sebring au milieu, bah effectivement, des Toyota, des Alpines euh, et d'autres fous furieux, avec une coéquipière française de Lila Vadoux super, Charles Milesi super. Oui. C'est un peu hétéroclite malgré tout. Enfin, c'est sûr que c'était pas simple. Alors, ils sont à l'arrivée, ils sont 12 de la catégorie. Sébastien Ogier a avoué le premier lui-même qu'il a souffert et que son oui. premier relais notamment était pas bon. Euh, c'est très humble de sa part, c'est très honnête. Euh, euh, mais bon, c'est vrai que voilà, non, je voulais juste mettre en avant le fait qu'ils euh, ont, ils, ils ont peut-être fait le plus dur. Après tout, peut-être oui, tant mieux aussi. Ce qui est assez remarquable et ce qu'il faut souligner, c'est la, la richesse de cette division. C'est-à-dire que le LMP aujourd'hui est quasiment euh, une division de pro. Ça, on peut le dire mmh. avec des équipes pro, etc. Bon, le Richard Army Racing, chez qui roule euh, mmh. Sébastien, est une très bonne équipe, euh, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais face à euh, United, Jota, WRT, Prema, G-Drive et les autres, euh, il n'arrive pas au mieux des, des enfants de cœur. Quoi. Donc euh, mmh. il fallait quand même s'adapter à ça. D'autant plus, tu l'as dit, un circuit, bon, respect de bums, hein, comme le veut le slogan, mais qui est pas non plus euh, facile. Autant dire que qu'OG prenait des sauts à, à autant de mètres du sol en, en Finlande et ça ne l'a jamais dérangé. Et là, pourtant, il a souffert. Comme quoi, en, mmh. sport, en sport auto, une piste et une catégorie n'est pas l'autre. Et énorme respect à Sébastien Augier de cette transition. Et je lui souhaite que de la réussite. Maintenant, est-ce que c'est en vue peut-être d'apprendre et de rejoindre Toyota en P1 pour rester fidèle à la, à la marque Toyota qui lui a amené beaucoup dans sa carrière Pas impossible. Pas impossible non plus que Toyota euh, injecte quelque chose via, via l'équipe en P2. Il hein, faut voir aussi euh, mmh. que ce soit pas l'effet inverse. Mais non, et une équipe. Euh, voilà, euh, Milési, je ne le connaissais pas forcément plus que ça. Je connaissais son nom, mais pas de palmarès etc euh, mademoiselle vadou qui euh, a mmh. aussi bien débuté je trouve avec euh, cette expérience alors qu'elle venait elle aussi hein, de la Porsche de la Clio Cup en France donc voilà c'est un équipage jeune euh, même si bon sébastien n'est pas un jeune premier mais mmh. c'est un équipage jeune en endurance en tout cas et j'ai très hâte de voir cette équipe par exemple au Mans sur une piste un oui. peu plus facile ou même déjà à Francorchamps puisque la prochaine étape ouais. ce sera aux 6 heures de Spa non, moi, si, si Sébastien était avec nous, je lui poserais franchement la question, parce que ça m'a fait un peu réfléchir quand même, ce, 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 ce nouveau programme en ce qui le concerne ses nouvelles ambitions. Bah, on avait cru un peu comprendre, et c'était logique à la rigueur, que bon, ben bah, voilà, il fait, fait ses courses euh, week de la saison, nouveau programme, puis évidemment, il revient à ses premiers amours, le rallye dès qu'il peut, et peut-être qu'il euh, va en faire 5-6 rallyes, et on salivait déjà l'idée de le retrouver face à Sébastien Loeb Ben bah, oui, mais <laughs> est-ce que t'as pas le sentiment quand même qu'instantanément. La donne a changé. Parce que oui. cet investissement, ce, ce résultat de Sebring, cette expérience de Sebring, prouve qu'effectivement, c'est pas à prendre à la légère, que ça nécessite de l'investissement, ça nécessite du repos après, ça nécessite de se repréparer avant la prochaine. Et mine de rien, bah maintenant, moi, je considère que c'est pas si évident que ça d'aller euh, d'aller retourner en rallye, comme un peu en mode récréation. Non. Euh, donc voilà, Sébastien serait là, je vous le dis, bah c'est très spontané, je lui dirais, mais Sébastien, est-ce que tu crois maintenant, franchement, que ça tu vaut peux la peine de... les deux tableaux Ouais. Est-ce que est l'avenir la, que... n'est pas là Est-ce que... Mais oui, mais, mais, mais c'est tout à fait légitime parce que je vois pas euh, si, euh, après avoir prouvé tout ce qu'il a pu prouver en, en rallye, et Dieu sait que c'est un des, si ce n'est le meilleur de, de tous les temps, euh, ça sera à vous de juger, amis, amis spectateurs. Mais, mais oui, qu'il qu y reste une bonne fois pour toutes mm. dans cette endurance et qu'il montre de quoi il est capable, euh, même mm. si on n'en doute pas, mais pour son plaisir, sa concentration et son épanouissement vis-à-vis -vis de ce championnat et de ses équipiers, je le, je le vois mal être remplacé sur une ou deux manches du WEC cette année pour aller faire un rallye. Où il ne sera oui, quand même pas champion du monde. Non, non, mais il, il comblera les trous. Mais quand oui, mais... on saura, avance pas qu'il est allé faire le rallye du Portugal, je dis n'importe quoi. Je sais, en plus, je connais même pas les calendriers là comme ça par cœur. C'est juste un exemple, mais ça sera pas complètement souhaitable, en fait, <laughs> pas du tout. Donc, euh, voilà, Lebes c'est différent. Et il a 47 ans, il a plus, il, il a pas grand chose d'autre. Bon. Là, vrai. un investissement en endurance de la part de Sébastien Augier, dans le sein d'une structure professionnelle avec un propriétaire bah, qui a des moyens, mais qui évidemment euh, veut, veut que ça marche aussi, il y a, et, et, y a des priorités peut-être, il y a des prioritisations si j'ose dire. Donc euh, effectivement, là j'avoue que je, je demande un petit peu à voir. Maintenant évidemment, euh, la nouvelle revanche Loeb-Augier, euh, on en salive déjà, parce que si c'est vrai quand même, mais... Je m'interroge un peu. Voilà. Bon. Je me, je me délecterai plus de voir Ogier sur un programme plein chez Toyota dans deux ans mmh, en endurance mmh, au Mans mmh. que de le voir euh, aller faire jouer avec son oui. son collègue <laughs> Sébastien Loeb. Mais voilà. bon. Bon. Voilà. Bah écoutez, si vous avez un petit avis à nous faire, euh, à nous partager, à nous s'exprimer, n'hésitez pas dans les commentaires parce que là, je suis intéressé de voir comment vous-même vous vous, vous, vous pressentez, vous sentez un peu ce double programme de Sébastien Ogier. Bon, tu m'autorises pendant deux minutes à te dire ce qui s'est passé en Supercars. Mais même trois Donc. si tu veux. Oui, non, non, ben attends, je vais aller vite parce que euh, début de saison, donc tu te souviens, à Sydney Motorsport Park, deux courses, uh, Chas Mostert et Van Gisbergen qui avaient gagné, euh, et Mostert donc en tête du championnat. Bon, on se retrouve à Simon's Plains, donc tu sais, c'est ce circuit euh, en Tasmanie. Qui est singularisé par une grande première ligne droite et qui se termine par une sorte de petit banking. On hein, en avait de parlé banking. de cette épingle, ce banking oui. que j'avais évoqué dans un jeu vidéo il y a quelques épisodes de cela, c'était le circuit oui. que je cherchais effectivement. Oui. Voilà, donc Simon's Plains, qui est vraiment un des circuits typiques à l'Australienne, ouais. court, 2 ,5 km, 5 pas, pas, pas large. Le no qui... australien, moi je l'appelle. Voilà, bon, c'est voilà. ça, mais qui, qui, exactement, ça fait partie de ces, ces, ces anciens circuits, un peu à la mode, alors en Angleterre il y en a toute une tripotée, mais à l'ancienne et qu'on aime bien retrouver une fois par an. Trois courses sprint cette fois-ci, trois euh, pôles mènent différents, un seul a réussi à convertir sa pole en victoire, c'est Shane Van Gisbergen qui n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il a gagné les trois courses. Donc c'est vrai Maxime là tu vas me dire bah ça c'est un classique depuis quand même quelques années, depuis que McLaughlin en tout cas n'est plus là, bah oui Van Gisbergen est quand même l'homme à battre et là effectivement il a fait très très fort, trois courses trois victoires avec une pole au milieu, rien à dire alors parfois ça a été un petit peu en jouant des coudes notamment face à Anton De Pasquale mais euh, le fait est qu'il a, a assis de nouveau son autorité et qu'effectivement, euh, McLaughlin Party, c'est vrai que euh, Van Gisbergen, c'est l'évidence même, est l'homme à battre et le meilleur euh, sur le papier de, de tous les pilotes, le plus complet. Bon, donc, instantanément, il reprend la tête du championnat et c'est vrai que Mostert, lui, s'est complètement écroulé. Alors là, gros coup dur. Avec, effectivement, trois courses, des qualifs indignes de lui, 13e comme meilleure place sur la grille dans une de ces trois courses, et à l'arrivée, il y a eu des problèmes mécaniques. Enfin, je crois qu'il fait 15 et, 15 et 18, enfin, je, je sais plus comme ça, spontanément, mais il n'y a qu'une course où il est dans le top 5, mais sinon, il est, il est en dehors du top 10 largement. Donc, instantanément, il passe de la première à la quatrième place au classement du, du championnat, et évidemment, gros coup de bambou, et je lisais ce matin une déclaration de Mostert qui, ça y est, alors qu'on en est qu'au deuxième rendez-vous de l'année, dit tout de suite, bon, bah, le titre, c'est fichu, euh, j'y pense même plus, euh, c'est catastrophique ce qui nous est arrivé, ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas lutter contre effectivement Triple Eight et Dick Johnson Racing. Donc, les deux équipes reprennent le pouvoir avec De Pasquale qui, effectivement, est le dauphin de Van Gisbergen maintenant au championnat avec 67 points. Bon, moi, ce que j'ai envie de te dire, si on se fait des projections sur l'année, bah, c'est que oui, Van Gisbergen est l'homme à battre. Son coéquipier Brock Finney, le fameux, hein, le petit jeune qui est propulsé en remplacement de Jimmy Winkup, bah, monte en puissance et ça y est, le voilà dans le top 5 maintenant. Donc je t'annonce qu'effectivement, sur l'ensemble d'une saison, bien évidemment que Brock Finney gagnera cette année sa première course en Supercar, ça c'est évident. Que Mostert renouera aussi à la victoire, c'est obligé. Ça que lui pasquale et, oui, que Anton de pasquale et Will Davison vont avoir des circuits qui vont leur oui. être favorables, donc eux aussi vont se mettre, mêler à la bataille, mais. Il va falloir quand même aller chercher euh, Van Gisbergen. Il y a aussi une équipe qui monte en puissance, c'est le Grove Racing, avec un David Reynolds là, qui a oui. ressuscité complètement. Ça m'a fait plaisir euh, et... de le revoir un petit peu euh, oui, oui. Dans, le, dans, dans le bon wagon, on va dire. Oui. Voilà. Et cette équipe, je te le rappelle, le nouveau team principal, c'est David Cauchy, qui était oui. l'ingénieur hein, de, de Wincup et de Van Gisbergen ces dernières années. Donc là, il y a quand même eu un petit il y a transfert. Un bon fond. Euh, oui. Voilà. C'est peut-être pas aussi fort que lorsque Ludo Lacroix avait quitté Triple H pour aller chez Dick Johnson, mais quand même, le, le fait est que voilà, une tête pensante de Triple H qui va à la concurrence, mais bah, tout de suite cette concurrence elle, elle se monte se tout de suite, donc c'est pas oui. par hasard. Voilà, c'est ça. Donc écoute, voilà euh, prochain rendez-vous donc Melbourne, euh, en avant-première oui, oui. du Grand Prix d'Australie avec toujours ce, ce, ce positionnement qui est un peu paradoxal puisque ils sont clairement cours support de la F1 avec des horaires parfois qui sont un peu relégués en fin d'après-midi intenable des... intenable c'est voilà, une horreur attends voilà. et pourtant on sait très bien que la moitié des spectateurs de Melbourne vient aussi pour voir le Supercars au moins autant que la F1 parce que ben, voilà c'est ce dans les gènes Ce qui m'a toujours fait rire, <rire> c'est quand tu voyais les formulaires rencontrés pendant les séances des libres, et tu avais toutes les supercars qui étaient garées dans l'entrée des stands en épi oui, qui attendaient d'être ramenés à, oui. à la pesée au ou... Voilà c la réglementation, c'était pas mal. Voilà, en tout cas, rendez-vous qu'on attend avec impatience pour retrouver, bah, comme on disait tout à l'heure, au moins ce nouveau circuit de Melbourne. Et évidemment, en tout cas, Jimmy Winkup ah, en tant que patron d'équipe, là aussi, bah, super début d'année. Hein. Oui, bah, euh, oui. cinq, cinq courses, quatre victoires. Évidemment, euh, ça démarre très bien. Ça son capitana si j'ose dire et... est-ce que tu et... penses qu'il a le temps dans ses obligations et sa volonté de tout maîtriser parce qu'il est un peu comme ça quand même, même quand mmh, il, était, mmh. il était pilote euh, de s'occuper de Finé est-ce qu'il a le temps de euh, le, 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 le coacher le faire grandir lui donner des, des, des petits conseils des tips ou est-ce que justement il oui, le laisse oui. euh, tranquille non non je veux croire qu'effectivement tu... moi j'ai ce sentiment là aussi j'ai ce sentiment qu'il oui, est ouais. un peu en train de le chapeauter à l'image d'un d'un ancien, tout simplement, ouais. quoi de lui montrer les ficelles. C'est ça. Oui, non, mais les faits se, se sont penchés sur le berceau de Finet. Il y a, oui. y a, y a... évident, parce que bon, j'ose un peu dire que je connais le fonctionnement interne de Triple et il y a un côté un mm. peu grande famille, mais qui est vraiment très C'est une image de Verstappen chez Red Bull, en fait. C'est un peu ça, il oui. a été euh, modelé à oui. arriver là, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a quand même un, un produit maison d'un petit jeune qui a toutes les cartes en main pour éclater et il le couve, c'est évident. Et j'en veux pour preuve aussi une déclaration qu'a fait Mark Scaife. Donc là, en dehors de l'équipe, mais quand même, Marskev, autorité absolument mmh. suprême du Supercars, qui dit l'émergence et l'arrivée de Finé, me rappelle tout le, tout le buzz, à l'époque on n'employait pas ce mot-là, mais tout le buzz qui entourait Craig Lowndes quand il est arrivé en Supercars. Car je te rappelle, Craig Lowndes, oui. pourquoi est-il aussi mythique Il arrive en Supercars et il met tout le monde d'accord, il a 18 ans. Bon, Voilà, c'est ça. Donc il est, il est devenu instantanément une légende. Bon, alors Finney, peut-être pas à ce point-là, mais... Voilà, on sent bien que les regards sont braqués en se disant, oui, là, il y a un petit jeune qui sera un futur, un futur pilote énorme, immense dans, dans, dans l'histoire. En tout de, cas, il, de, est, de il de est à bonne sport. école parce que je oui. pense que là où il est, il est dans oui. le, sans doute la meilleure équipe ça. possible. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, bah, écoute, moi, je te propose, euh, est-ce que tu auras un mot de la fin en plus de, des miens là, sur le Supercars Non ça pas va, particulièrement, dis... non. Écoute, non. merci beaucoup pour ton analyse et ton, ta passion quand tu nous expliques les, les dernières infos de, de ce championnat qui te tient tant à cœur. Et moi, je m'y intéresse grâce à toi un peu plus que ces dernières années où j'avais un peu, effectivement, euh, lâché la grappe. Parce que, comme on dit souvent dans cette émission, on aimerait bien tout regarder, mais il n'y a pas assez d'heures dans le week-end. Et puis, ça. on a des obligations à côté aussi. Et parfois, il faut faire un choix. Maintenant, on n'en est pas non plus au point avec LFB de se dire Bon, toi, tu regardes ça, moi, je regarde ça. On ne oui, se divise pas non, non plus. On, on parle surtout de ce qu'on regarde ensemble. Parce que c'est vrai qu'on regarde tous les deux l'IndyCar, on regarde tous les deux, tous les deux bon, un peu moins, mais le Supercar. Il regarde un peu le tourisme on a on a suivi un peu le trophée andros enfin bref on suit un petit peu des, des disciplines qui nous tiennent à cœur et on vous en parle et on espère que ça vous plaît toujours autant ouais, en tout cas euh, c'est toujours très agréable voilà merci de votre attention max si donc euh, la chaîne youtube à ne, à ne pas rater il faut s'abonner tout de suite tout à fait le podcast voilà L'Afterlap le podcast du sport auto, bah merci si vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes usuelles d'écoute, sur la chaîne YouTube L'Afterlap bien sûr. J'essaye souvent d'avoir une déclinaison vidéo en plus de l'audio pur. Euh, un rendez-vous maintenant un peu événementiel tous les mois. Bon, euh, on va on va on va affiner ça avec Maxime. On vous le dit franchement pour la prochaine date où on va se retrouver. Mais il y aura forcément un nouveau Grand Prix, il y aura forcément de, de nouvelles courses par-ci, par-là, donc il y aura de quoi dire et, et on vous tient au courant dès qu'on dès qu s'est mis d'accord et dès qu'on pourra donc se retrouver pour enregistrer la, la prochaine émission. Maxime, je te remercie. Merci à toi. Porte-toi bien. Également, portez-vous bien aussi. N'hésitez hein. euh, pas donc, à, à partager, à faire vivre en fait ce, ce podcast qui représente un petit peu de travail pour nous deux quand même, parce qu'on prend beaucoup de plaisir, mais c'est du boulot aussi. Donc euh, voilà, parta partagez-le, la vidéo sur vos réseaux euh, et, et évidemment sur Twitter, ça, ça ne coûte pas grand-chose. Et parfois un like, un commentaire, une interaction en fait sur le live, parce que toutes les vidéos que vous voyez ici, nous on les tourne la veille, mais vous les avez en première le lendemain sur YouTube et on a le chat. Et moi je passe toujours évidemment sur le temps de midi quand je diffuse pour euh, lire vos commentaires et interagir avec vous. Donc merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité. Voilà. Allez, on, on vous laisse là, mais on vous remercie donc encore beaucoup euh, de nous suivre. Maxime, à bientôt. Et donc, euh, vive le sport auto, vive Green White Checkered. Ciao. Ciao.